The only thing that we want to know, yes, the only thing that we want to know is really, can we consider that you were poisoned by a toxic of the Novichok family? That's the only thing that we have to know. C'était quelque chose d'habituel pour moi dans mon travail d'être accompagné et surveillé lors de tous mes déplacements professionnels. Cette surveillance était assurée par la police ou par le FSB. Ils me surveillaient partout, tout le temps, à Moscou ou ailleurs. Vous savez, c'est très simple de les reconnaître. Ils vous suivent partout et prétendent d'être au téléphone. Deux jours après avoir été empoisonné, il y a eu un article très long et très étrange qui disait « Navalny était sous étroite surveillance tout le temps ». Regardez son emploi du temps. Et donc, ils ont publié mon emploi du temps exact, alors que personne n'était censé le connaître. Donc je pense que ces personnes du FSB qui étaient responsables de ma surveillance ont essayé de se protéger en disant « Vous voyez, on n'a rien à se reprocher, on ne fait rien de suspect ». Ce groupe poison était classé secret au sein même du FSB. En réalité, personne ne connaît leur existence. Ils ne sont pas comme les autres agents du FSB. Ce n'étaient pas tout le temps les mêmes personnes. Non, c'est une unité régionale. La surveillance est de la responsabilité du FSB régional. Sinon, j'aurais vu les mêmes personnes tout le temps, ce qui ne marche pas avec l'idée même de la surveillance. Donc, l'avion atterrit, et là, il y a une alerte sur votre état de santé. Vous êtes victime d'un malaise. Vous aviez remarqué quelqu'un qui avait un comportement étrange dans l'avion? Non, c'était un vol des plus ordinaires, rien de suspect. C'est ça toute la beauté de l'empoisonnement. Personne ne peut savoir exactement à quel moment vous êtes empoisonné ni comment. Beaucoup de gens se demandent pourquoi choisir le Novichok, car il est très compliqué à utiliser. Mais grâce à la bouteille qui a été retrouvée, nous savons que c'était à l'hôtel que ça s'est passé. En l'absence de cette bouteille, nous aurions été convaincus que l'empoisonnement avait eu lieu à l'aéroport. En fait, il ne se passe rien de suspect, alors même que vous avez été empoisonné peut-être 10 ou 12 heures auparavant. Une autre enquête de Bellingcat montre que le FSB développe actuellement un nouveau procédé qu'ils appellent nano-encapsulation. Ça permet d'empoisonner quelqu'un non seulement lorsqu'il ingère de la nourriture, mais aussi simplement par contact. La personne ne ressent des effets que quelques jours plus tard. Mais rien d'étrange à remarquer auparavant. Le jour même, il y a eu une fausse alerte à la bombe dans l'aéroport. Est-ce que vous savez si une enquête a été faite pour savoir qui était derrière cette fausse alerte? Le gouvernement russe a affirmé que l'Allemagne était responsable de cette fausse alerte. Oui, bien sûr, l'Allemagne. Ils ont martelé plusieurs fois que cet email venait de ce pays. Et ça nourrit toutes les thèses complotistes. Selon eux, j'aurais été empoisonné par les services secrets allemands ou européens. There was Germans, or maybe kind of in general Western special services who poisoned me. Honestly, we have a kind of epidemic. Nous avons une vraie épidémie de fausses alertes à la bombe en Russie. Et toutes sont envoyées par mail.
En réalité, vous pouvez plus facilement tracer un appel téléphonique, alors que les emails, eux, peuvent être totalement intraçables. Mais pour ce que j'en sais, il n'y a pas eu d'enquête sur cette fausse alerte. Ce qui est intéressant, c'est que selon la législation russe, toute fausse alerte entraîne automatiquement une enquête criminelle. It leads to automatically starting criminal investigation. Et là, il n'y en a pas eu. Et c'était la première fois qu'une fausse alerte émanait d'un pays étranger. En fait, personne ne sait d'où c'est venu. Nous ne savons pas les détails. Ce qui est sûr, c'est que c'était bien une alerte à la bombe. Lorsque nous avons atterri, un de mes associés a parlé à un ambulancier et il lui a dit que le bâtiment de l'aéroport avait déjà été évacué. Mais qui l'a fait ? Personne n'en a aucune idée. Les Russes ont juste dit, c'est de la faute des Allemands. Parlons du pilote. Il est passé outre l'alerte. Il a atterri quand même. Vous savez ce qu'il en est de lui maintenant ? Non. J'essaie, mais pas trop. J'ai peur que ça lui crée des ennuis, parce que, en fait, ce type m'a sauvé la vie. Donc j'essaie de ne pas entrer en contact avec lui pour ne pas lui créer de problème. Donc là, vous arrivez à l'hôpital, et que se passe-t-il ? Oui, c'est une question intéressante, parce que les premières informations ont été publiées partout. Selon le premier rapport médical, ils m'ont tout de suite donné de l'atropine. Et puis, il y a eu la thèse selon laquelle ça n'était pas un empoisonnement, que c'était une sorte de diabète ou quelque chose comme ça qui s'était développé. Et là, les autorités médicales ont commencé à nier qu'elle m'avait donné de l'atropine. Mais mon attaché de presse qui était là a vu la réaction des secours. Ils ont pensé, eux, que c'était une intoxication, une sorte d'overdose. Parce que les symptômes sont les mêmes. Actually the same. La personne tombe dans le coma. Person fall in coma because overdose of narcotics. So from the very first look. Donc à première vue, immédiatement, les secours ont pensé que c'était une intoxication, et c'est pour ça qu'ils m'ont donné de l'atropine, car le traitement d'urgence de base est le même. En donnant ce médicament, on gagne du temps, le temps d'aller à l'hôpital. Donc l'atropine vous a été donnée dans l'ambulance. Oui, dans l'ambulance, ça c'est sûr, mais peut-être aussi dans l'avion. Parce qu'il y avait un médecin dans l'avion ? Non, les secours de l'aéroport sont entrés dans l'avion alors qu'il avait atterri pour le tout premier secours. Et ils ont attendu l'ambulance de l'hôpital. Ça a pris environ 20 minutes pour me sortir de l'avion. Actually, 20 minutes procedure to take me out of the plane. C'était un bordel incroyable. Donc c'est probablement ceux qui travaillaient dans l'aéroport qui ont fait ça. People who are working in the airport. On a identifié celui qui vous a donné l'atropine. Oui. Parce que nous avons entendu que le chef de l'hôpital a été promu. Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est une situation compliquée et simple à la fois. Parce que le chef de l'hôpital, responsable de cette fausse idée du diabète, a été promu et est devenu ministre de la Santé dans sa région. Et vous savez ce qui est arrivé au docteur qui vous a donné de l'atropine ?
Non, c'est le même cas que pour le pilote. J'essaye de ne pas trop attirer l'attention sur son cas. Vous pensez que ce serait un problème si nous demandions pour l'enquête à entrer en contact avec eux? Je pense que c'est une bonne idée de les contacter, mais bien sûr, ce sera compliqué. Et ce sera d'autant plus compliqué de le faire sans que le FSB ne soit au courant. Of course, definitely, if you are, will have some interest si le FSB comprend que vous vous intéressez à eux, they also will be under the pressure ils vont leur FSB mettre la pression. Ça n'est pas impossible qu'ils vous fassent rencontrer de faux docteurs ou de fausses infirmières. Il y a déjà eu ce genre d'histoire absolument incroyable avec un docteur allemand qui m'aurait évacué. Vous avez entendu parler de cette histoire, sûrement. Alors, ils auraient été emmenés de l'avion jusqu'à l'hôtel par des agents du FSB, et là, les agents du FSB les auraient emmenés à l'hôpital, mais sans que mon épouse le sache. Alors que ma femme et toute mon équipe ont couru autour de l'hôpital pour essayer de mettre la main sur ces fameux docteurs allemands. Mais les agents du FSB ont littéralement créé une bulle autour d'eux. Ils les ont emmenés en soins intensifs où j'étais. Ils m'ont observé et ont dit il est prêt à être transféré. Ensuite, toujours entouré d'agents du FSB, ils les ont sortis de l'hôpital malgré le fait que mes proches essayaient tant bien que mal de bloquer leur voiture pour les interroger. Mais les agents du FSB ont réussi à les faire évacuer de l'hôpital quand même. Ils ont organisé une conférence de presse dans la foulée en disant « Oh, vous savez, les médecins allemands l'ont examiné et ils ont assuré qu'il n'était pas transportable dans son état. » Mais c'était un mensonge. Liar of the absolutely of an incredible level. Yes, it is totally Hollywood. C'est une histoire story. Digne d'un film d'Hollywood. And then the question was the moment. Entre le moment où vous êtes passé à l'hôpital et le moment où vous êtes transféré en Allemagne, il se passe quoi, 24 heures? Non, un peu plus de 48 heures. 48 hours, because they were waiting en fait, for ils ont attendu près de 48 heures pour obtenir l'autorisation de m'évacuer. Ils craignaient aussi qu'au-delà de ces deux jours, le Novichok ne devienne indétectable. Vous pensez qu'il y a quelque chose à chercher de notre côté sur ce qu'il s'est passé durant ces 48 heures? On pourrait interroger l'hôpital de Omsk où vous étiez. Eh bien, s'ils acceptent que vous veniez à Tomsk, à l'hôpital, oui, mais le diagnostic qu'ils m'ont posé était ridicule. D'un point de vue strictement médical, ça ne tenait pas. Ils ne m'ont pas donné de traitement adapté, c'était une opération de dissimulation. Et on en a les preuves. What not a proper treatment, but it was cover-up operation, and we have all evidence with that. So what kind of treatment? Quel genre de traitement avez-vous reçu pendant votre hospitalisation? No one knows. Personne ne le sait. Well, I was because personne ne le sait. Wife, ma femme n'a été autorisée à me voir qu'une seule fois, et après j'ai été isolé. And then I was isolated. Vous avez eu accès à votre dossier médical. 10 jours plus tard, après différentes procédures, ils ont finalement accepté de transmettre les rapports médicaux de l'hôpital. Legal procedures and the several court procedures, they agreed to give us some medical records from the Omsk hospital. But yes, it's just something. Et ils maintiennent leur version. Soi-disant, je suis tombé dans le coma parce que j'avais trop faim. Parce que j'avais soi-disant du diabète. C'est ridicule, je n'ai jamais eu de diabète. Et ils ont maintenu, si vous avez du diabète. J'ai répondu, mais non, je n'ai jamais eu de diabète. En plus, je peux le prouver, je n'ai pas de diabète. J'ai même des analyses officielles qui le prouvent. Vous pensez qu'il peut y avoir d'autres preuves que nous pourrions demander?
Je pense que le meilleur moyen, ce serait qu'il y ait une coopération entre les autorités russes et le Conseil de l'Europe. Le président Poutine a affirmé que j'étais surveillé par le FSB, mais officiellement pour d'autres raisons. La meilleure chose serait d'interroger ces agents et de leur parler. Vous ne pouvez pas les interroger officiellement, mais discuter avec eux. Juste pour clarifier un point simple, pourquoi des médecins et des chimistes me suivaient? Et pourquoi est-ce qu'ils ne prenaient pas le même avion? Ils prenaient des vols à des jours différents, mais exactement au même endroit que là où je dormais. Ça, ce serait une information cruciale. Donc pour vous, l'existence de cette sorte d'équipe qui vous suivait et vous précédait, c'était une découverte. Oui, j'étais totalement sous le choc. Pendant des années, je n'avais aucun doute sur le fait que j'étais surveillé. Mais cette équipe très particulière avec des chimistes et des médecins qui me surveillaient, même lors de très courts déplacements, mais qui, à chaque fois que je dormais quelque part hors de chez moi, ils étaient là. Oui, ça, c'était quand même une sacrée surprise. Est-ce que vous avez connaissance d'un précédent de ce type? Oui, bien sûr, il y a Vladimir Karamurza, je crois que vous le connaissez. Oui, bien sûr, mais je veux dire, cette équipe de chimistes et de médecins, c'était sans précédent. Ah oui, c'était sans précédent. On a pu en entendre parler pour Trotsky. Trotsky. Ah oui, c'est un très bel exemple historique. Et oui, c'était la même chose. Nous savons que sous le régime de Staline, il y avait un groupe spécial composé de personnes qui suivaient Trotsky. Ils ont tenté de l'assassiner une première fois sans succès, et puis ensuite une deuxième fois. Apparemment, il y avait une vingtaine de personnes qui s'y préparaient pendant des années. Oui, bien sûr. Nous avons exactement la même chose, des gens qui se sont préparés pendant des années. Donc, selon vous, leur mission était de vous tuer. Bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Déjà, comme vous le savez, avec les dernières révélations de Bellingcat, j'avais déjà été empoisonné une première fois dans un avion, mais je n'avais ressenti aucun symptôme. Ensuite, il y a eu la même chose avec ma femme. Donc je n'ai pas le moindre doute que ces personnes nous suivaient pour nous tuer. Mais vous savez, ça n'est pas si simple que ça d'empoisonner quelqu'un. Ça demande beaucoup de préparation. Même si vous êtes le FSB, vous ne pouvez pas juste entrer dans l'hôtel où je suis et dire « ouvrez la porte ». Il y a des caméras de vidéosurveillance. Vous devez pouvoir vous enfuir. Donc vous devez opérer en totale sécurité. Et même en totale sécurité vis-à-vis d'autres agents du FSB. C'est donc une opération très dangereuse. Et ils ont dû se préparer pendant très longtemps. J'aimerais qu'on revienne sur ce qu'il s'est passé à Kaliningrad et ce qui est arrivé à votre femme. Pour vous, c'était une erreur. Personne ne sait. Je pense pour ma part, oui, que c'était une erreur. Et que vous étiez, vous, la cible véritable. Oui, elle a dû manger ou toucher quelque chose qui m'était initialement destiné. Personne ne le sait. Ces gens sont fous. Peut-être qu'elle était une cible. C'est probablement une erreur de leur part. Nous pensons que le travail fait par Bellingcat ouvre de nombreuses pistes. Est-ce que vous pensez que ces révélations peuvent avoir un impact sur la réaction des autorités russes? Oui, bien sûr. Et quel genre de réaction? Ils ont compris qu'ils avaient été coincés. Ce serait très compliqué pour eux de nier.
And look at the Putin's behavior. They're trying to deny, ils ont essayé de nier, mais c'est très difficile maintenant. Et ils ne savent pas toutes les nouvelles informations qui peuvent être révélées. They have no idea what kind of footage, what kind of new information can be discovered. So, donc je pense qu'ils sont devenus à la fois plus agressifs et plus protecteurs. Dans un premier temps, ils ont juste nié en bloc. Et ils ont dit, bon, rien ne s'est passé, il s'est empoisonné tout seul. Ça, c'est leur stratégie classique. Balancer des versions différentes pour créer de la confusion. Mais maintenant, avec la révélation de ces vraies personnes, avec leurs photos, elles peuvent être interrogées par des journalistes, par des enquêteurs. C'est pour ça que c'est bien que cet article ait été publié. But in terms of, you know, reaching nurses, vous pouvez toujours poser des questions générales aux gens. Que savez-vous de l'empoisonnement de Navalny? Mais là, avec les photos, vous pouvez demander précisément s'ils ont vu des personnes. What do you know about poisoning of Navalny? But you, now you can show the pictures and ask, have you seen these people? Est-ce que c'est comme dans l'affaire Khashoggi quand ils protègent les commanditaires? Ça, c'est la question principale. Is it like a Khashoggi? Tout le monde sait qui a ordonné l'assassinat de Khashoggi. They protect top brass. Mais ils poursuivent les petites mains et ils protègent les donneurs d'ordre. So, but they prosecute kind of minor guys and they protect higher guys. And in this situation, dans mon cas, in theory, si en théorie on peut imaginer qu'il s'agissait d'une opération du FSB sans que Poutine soit au courant, cela pourrait peut-être permettre de trouver un compromis sur des poursuites. Mais j'en suis totalement sûr, c'est un ordre direct de Poutine. Donc, il protège tous ceux qui y ont participé. Et vous pensez que ces révélations de Bellingcat sont relayées par les médias russes, qu'elles ont une influence? TV shows, sur les chaînes nationales, ils se moquent de cette enquête et ils se moquent de moi. Mais c'est bien différent de ce qui se passait avant. Avant le 20 août, il était totalement interdit de prononcer mon nom de quelque manière que ce soit. Maintenant, il est mentionné sans arrêt. Ils disent que je suis un agent de la CIA, un extrémiste, un fraudeur, un criminel. Mais de fait, ils en parlent tout le temps. C'est le sujet numéro un depuis 4 mois. Ça pourrait avoir 2 effets. Le premier, c'est de vous rendre plus visible et plus connu dans le pays. Mais d'un autre côté, c'est une manière de polariser le débat dans l'opinion publique. Non, je dirais que parmi ceux qui ne soutiennent pas Poutine et qui peut-être même ne me soutiennent pas moi non plus, il n'en reste pas moins vrai que pour tout le monde, cet empoisonnement est terrifiant. Parce que même si ces gens ne m'aiment pas, ils n'aiment pas non plus l'idée qu'il existe un groupe caché de tueurs travaillant à l'intérieur de l'État. Quant à ceux qui appartiennent à l'élite proche de Poutine, ce sont eux les plus terrifiés, parce qu'ils comprennent que cela pourrait aussi être utilisé pour les tuer. Bien, venons-en au côté rationnel des décisions de Poutine. Il y a 2 interprétations. La première, au cours des 3-4 dernières années, ils n'ont jamais trouvé le bon moment pour arriver à leur fin. Ça pourrait être une interprétation. Ou la deuxième interprétation pourrait être,
août 2020, c'était le bon moment, peut-être juin ou août, et ils ont décidé d'agir à ce moment précis. Nous savons que la première tentative a eu lieu quelque temps auparavant, il y a environ deux ans. Et puis il y a eu une autre tentative à Kaliningrad en juillet 2020. Et puis une autre en août. Donc je pense qu'ils avaient reçu l'ordre de lancer l'opération. Peut-être que cette première tentative dans l'avion, c'était eux qui essayaient de mesurer la quantité de poison nécessaire. Peut-être que ça n'était pas une tentative pour me tuer. Peut-être que si. Vous savez, certains experts nous ont dit qu'il n'y avait pas d'essai avec le Novichok, parce que vous ne pouvez pas faire de test avec ce produit. Il est absolument impossible de le tester sur le terrain. Ça n'est pas possible. On ne peut le faire qu'en laboratoire. C'est pour cela que j'ai survécu la première fois, comme Yulia a survécu la première fois, car c'est une substance extrêmement, extrêmement difficile à utiliser. Il faut un laboratoire. Je pensais que la situation à Khabarovsk, en Biélorussie, était l'élément déclencheur, mais il semble qu'ils aient commencé à le faire bien plus tôt. Ils ont certainement reçu l'ordre de préparer et de lancer cette opération après ma déclaration de candidature à la présidence de la Russie. J'ai beaucoup voyagé, ils ne me suivent pas pendant un certain temps, et d'un coup, ils commencent à me suivre à chaque voyage. Pile au moment où j'ai déclaré ma candidature à la présidentielle. Mais comme vous l'avez dit, quelqu'un a mis en place tout le mécanisme et l'a lancé il y a au moins 4 ans. Parce que, bien, il faut mettre en place des équipes de médecins, des équipes de chimistes qui vont commencer à me suivre. Il y a une préparation, une infrastructure pour réussir à faire cela. Tout le reste, ce sont des hypothèses. Mais oui, ils attendaient une occasion. Vous savez, je voyage avec un groupe de personnes. Ça n'est pas très facile de réaliser cet empoisonnement de manière à ce que personne ne le remarque. Parce qu'il est bien sûr plus facile d'empoisonner la nourriture. Mais plusieurs personnes seraient mortes, et ce serait difficile alors à expliquer avec simplement le diabète. C'est quoi l'idée? Un diabète collectif? Ils ont attendu la bonne occasion pour passer à l'acte. Et l'idée de l'empoisonnement est reliée au fait qu'ils veulent faire souffrir avant de tuer, parce qu'ils pourraient provoquer un accident de voiture, par exemple. Je ne peux pas vous dire que c'est vraiment douloureux. Je ne peux pas vous dire non plus que on ne souffre pas du tout. C'est un sentiment terrible. Mais l'empoisonnement, plutôt que l'accident de voiture, laisse beaucoup de place à la spéculation et aux nouvelles versions. Il est difficile d'être persuadé de quoi que ce soit, il n'y a aucune preuve. C'est suspect, mais qui sait ce qui s'est réellement passé? Et puis le deuxième objectif, et c'est peut-être le principal sur le choix de l'empoisonnement, c'est parce que c'est terrifiant. Les gens commencent à avoir peur, c'est un des avantages de l'empoisonnement. Beaucoup de gens commencent à avoir peur. Même ici en Europe, certains politiciens européens disent « On peut juste mettre un produit sur ma porte et ça suffit, je meurs. Je ne veux pas jouer avec ça. » Les gens ont peur de ces morts mystérieuses. Et je pense que c'est l'objectif principal. Et Poutine apprécie l'idée que les gens aient peur de son pouvoir absolu. Il est très clair que vous attribuez la responsabilité à Poutine. Parce que vous pensez
qu'il vous voit comme une menace grandissante? I think not just me. Pas seulement moi, but me in particular, but moi, also with the people mais aussi who I represent. Toutes les personnes que je représente. Il y en a de plus en plus dans mon organisation. Nous avons fait beaucoup d'enquêtes et nous n'avons pas peur de participer à des rassemblements, à des meetings, à des réunions. Nous nous rendons dans tout le pays. Nous ne restons pas seulement à Moscou, comme dans la grande majorité de l'opposition, qui se retrouve simplement à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Nous, nous n'avons pas peur. Nous travaillons aussi partout, dans les régions. Nous n'avons pas peur d'enquêter sur la corruption personnelle de Poutine. Et grâce à tout cela, nous avons beaucoup de soutien. Notre organisation est toujours capable de fonctionner de manière absolument indépendante, car nous disposons de dons de base, comme beaucoup de gens qui nous envoient de très petits dons, de sorte qu'ils ne peuvent pas empêcher notre activité avec les méthodes classiques. Mais vous avez beaucoup d'ennemis parce que, comment dire, vous mettez en lumière la corruption à très haut échelon. J'ai vu le film Medvedev, qui est très intéressant. Nous avons beaucoup à apprendre de vous. Vous avez été harcelé constamment ces 10 dernières années. Mais vous n'avez jamais eu le sentiment que la menace pouvait atteindre ce niveau. À nouveau, c'est une question intéressante. Parce qu'avant, si quelqu'un m'avait dit que Poutine voulait me tuer, j'aurais dit non. Ce que nous savions, c'est que j'aurais pu être jeté en prison. J'aurais pu être harcelé, ce genre de choses. Mais vous savez, tuer des gens avec une arme chimique, ça paraît fou. Et si honnêtement, ce n'était pas les laboratoires qui le disaient, je n'aurais jamais cru que c'est du Novichok que l'on m'avait donné. Parce que c'est complètement dingue. Et oui, c'est ce que j'ai pensé, que c'était une illusion, que c'était fou. Ils ne peuvent pas utiliser de telles méthodes pour tuer des gens qu'ils pensent être des terroristes, des espions ou des traîtres. Contre les opposants politiques, ils utilisent d'autres méthodes, les campagnes de diffamation, la prison. In prison. Mais clairement, c'était une grosse erreur de ma part. It was a big, big mistake. Because the information we got, the way selon nos informations, la façon dont Poutine s'est comporté, ça a été de bannir votre nom de tous les discours publics. C'était une sorte de mépris, une façon de dire « nous ne prêtons pas attention » à ce genre de personnes insignifiantes. Il a dit littéralement la même chose aujourd'hui. Il m'a appelé le patient de Berlin. Ça dit encore une fois cela, je suis pour lui une personne insignifiante. Et donc pourquoi est-ce que nous irions l'empoisonner? Qui est-il pour que nous l'empoisonnions? C'était ça, ces mots. Oui, c'est ça, ils agissent comme ça. Mais bon, la question est, si je suis si insignifiant, pourquoi m'ont-ils suivi pendant 4 ans? Bien sûr, ils comprennent qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit des gens que je représente, que j'essaie de représenter. Ce sont des millions de personnes qui ne veulent pas vivre dans un pays où tous les pouvoirs sont entre les mains d'une seule personne. La moitié du pays au moins souhaite que la Russie soit un pays européen normal. Et il veut tout faire pour repousser ce genre de pensée et de mouvements politiques. Maintenant, nous en sommes à un point où vous vous projetez dans le futur. Vous avez été harcelé, votre appartement a été saisi, il y a eu de nouvelles accusations pour vous dissuader de revenir. In order to stop you.
I think so. Alors, si vous revenez, ils vont vous mettre en prison? C'est une question à laquelle j'aimerais avoir la réponse. Mais je n'en ai aucune idée. Ils profèrent tout le temps des menaces. Ils saisissent mon appartement, mes comptes bancaires. Ils envoient clairement des signaux et des messages. Ne revenez pas. Mais je n'ai aucune idée de ce qu'il se passera. Est-ce que je vais être arrêté à l'aéroport? Ou peut-être après? Peut-être que ça n'arrivera pas et qu'ils vont attendre que tout se calme. Et alors, ils m'arrêteront. Ou peut-être pas, je n'en ai aucune idée. Et jusqu'à présent, ils n'en ont aucune idée. Ils ne veulent tout simplement pas que je revienne, juste pour éviter ce problème et pour éviter d'avoir à prendre une décision. Parce que c'est la meilleure option pour eux, que je sois un autre émigré. Ils y réfléchissent, mais ils ne savent pas précisément ce qu'ils vont faire et ce qu'il va se passer. Que pensez-vous qu'il adviendra de votre mouvement ou de votre fondation si vous ne revenez pas? Tout le monde sait comment fonctionner sans moi, car en fait, je passe déjà beaucoup de temps chaque année en prison, donc ils s'y sont habitués et ils ont appris à travailler sans moi. Mais bien sûr, ce sera plus difficile. Ce ne serait pas crucial. L'organisation pourrait perdurer, pourrait fonctionner. Mais ce serait plus compliqué en termes de motivation et de morale. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent prendre la suite? Oui, bien sûr. Il y a d'autres personnes qui peuvent lutter et qui sont connues. L'organisation fonctionne sans moi depuis des mois, ça fonctionne très bien. Il y a d'autres personnes qui pourraient la diriger. D'une manière générale, je pense que s'ils me tuaient, ça ne changerait rien, car il y a d'autres personnes prêtes à me remplacer. Mais je pense qu'il y a quelque chose de personnel chez Poutine, avec cette chose étrange là, le fait qu'il ne prononce jamais mon nom. Vous ne l'avez jamais rencontré? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Et il ne mentionne jamais mon nom. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il a, lui, une très haute opinion lui-même. Il se prend pour un tsar ou l'empereur de Russie. Et vous savez, ça n'est pas le genre de personne qui a peur.